Ma petite gueule, ça va, moi j'espère que tu vas bien, pour moi, par ça nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah pour que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le crack de Need for Speed Payback. Donc un jeu de voiture qui est bien. Donc j'ai pas fini, je suis à... Je sais pas quelle mission, donc vous le voyez juste là. Voilà. Voilà, je vais vous rentrer. Si vous voulez sourire. Voilà, il y a un peu lagué parce que je suis en rec. Il lag un peu. Mais voilà ce que ça donne. Mais il ne devra pas laguer avant parce que je serai peut-être pas en train de rec. Que moi aussi je suis en train de rec. Donc voilà. Donc là pour le crack, vous aurez besoin de ce logiciel là. Donc le Origin. Donc bien sûr, tout est en truc. Hein. Donc voilà. Inscrivez-moi de trouver une rare. Donc il faudra juste une rare. Excusez-moi, il faudra juste une rare pour télécharger le logiciel et le décompresser. Donc voilà, je peux le décompresser. Donc vous devrez faire le setup, donc vous allez faire clic droit. Donc bien sûr désactiver l'antivirus, sinon ça va vous mettre une putain d'erreur de merde. Désactiver la wifi aussi, parce que moi ça marchait pas, je comprenais pas trop. Donc j'ai désactivé une fois la wifi, ça a été nickel. Donc désactiver la wifi, vous allez faire clic droit. Donc regardez une fois la vidéo, voire deux fois, et puis vous le faites. Donc vous avez téléchargé. Donc clic droit, exécuter un entretien administrateur. Donc là ça vous donne ça. Donc là vous mettez où vous voulez le jeu. Donc voilà, moi j'ai mis discodé, sélectionner le dossier. Voilà. Et ici vous mettez en bien en French FR FR. Et là vous faites yes et yes, donc si qui est fini il va se lancer et il va créer un document, donc l'application sur le jeu, et vous faites install. Quand tout ça est fait, vous allez aller dans le crack. Donc vous allez prendre les trois là, dans les quatre là, je veux dire, vous allez faire un petit gros. Donc là le jeu, voilà, hop, il est installé, il est là, tac, il est beau, il est magnifique, on s'en fout. Donc vous allez le prendre, vous allez faire un petit clic droit. Vous allez faire ouvrir l'emplacement du... Voilà. Et là vous allez faire clic droit. Vous allez tout coller. Mais moi je vais pas le faire, mais voilà. Parce que sinon le jeu va planter et mon PC va planter. Donc voilà. La destination comprend 4 fichiers dont le nom sont identiques. Vous faites remplacer les fichiers dans la destination. Et voilà. Et puis vous allez faire une bonne petite partie de sur Speed. Donc je vous conseille une manette. Vous avez pas, et je vous conseille très recommandément donc les pédales, donc pédales, volant et changement de boîte de vitesse. Donc en voilà, je vous conseillerais même le volant trust ou Trustmaster, à vous de voir, ou Logitech. Donc voilà, ou après vous pouvez jouer comme moi à la manette Xbox ou au clavier. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à t'abonner et lâche un petit like, ça me fera vraiment plaisir. Moi je vous dis ciao.